Bonjour, internotatrice et internotateur, ici Gaëlden pour les jeux du cygne. On retrouve notre partie sur Terra. Pas Terra Invita, sur Stranded Alien Down. Avec Hope qui s'améliore, qui progresse un peu plus chaque jour. Elle en est à 7 d'intellect. L'objectif étant, si je me souviens bien, d'arriver à 10. Mais j'imagine bien que les derniers niveaux seront les plus compliqués. On poursuit notre aventure. Alors j'ai mis plein de fumier à récolter. Maintenant qu'on a le drone, il va pouvoir faire des allers-retours dans tous les sens, histoire d'aller nous rechercher tout ça, et ça sera très très bien. Ouais, donc du coup, le fumier va se dégrader, parce que comme je l'ai mis à récolter, s'il disparaît entre-temps, eh ben, je le vois pas, mais c'est pas grave. Hop. Ah ouais, il y a une mine aussi qui le fait. Peut-être pas très utile. Qu'est-ce que tu vas transporter, Ken? Transport. Ouais, du coup, transport, je vais mettre en deux. Pour tout le monde. Hein. Hop. C'est certainement mieux à faire. Voilà. Hop, à la limite, je m'étais dit aussi que je pourrais peut-être récolter un peu de viande de palmier saucisse. Recherche d'effectuer les bottes domestiques. Alors, je peux faire. Bottes domestiques. Alors, j'ai tout ce qu'il faut sauf les alliages. Robot bipède conçu pour effectuer efficacement les tâches quotidiennes. Cuisiner, manipuler et réparer les appareils, démonter les objets et livrer les ressources. Il opère tant que son poste de contrôle est alimenté en électricité et qu'il est en état de marche. Le bot moissonneur, lui, il plante les cultures efficacement, capable de miner, d'abattre des arbres, de recycler, de livrer les ressources. Il opère. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse? Cuisine, c'est le domaine réservé des mines. Très clairement. Démonter, puisque elle a un bœuf dessus. Manipuler, réparer. Ouais, ça c'est à la limite, pourquoi pas. Démonter les objets, ça arrive pas souvent. Livrer les ressources, ça arrive pas souvent. Le moissonneur des lilas, pardon. Conçu pour récolter des ressources, planter les cultures. Mais à la limite, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Parce que. Bon, à la limite, si Yémine ne s'occupe pas de faire de la cuisine. Je vais y arriver. S'occupe pas des plantes, c'est pas très grave. Donc, je vais plutôt faire cela. Je vais le mettre là. Donc là, ce qui va me manquer de toute façon, c'est tout ce qui est alliage. Bon, ceci dit, il m'en manque un d'alliage. Bon, il manque Ikin à faire des fidélités nuées pour qu'il. Même en fait, en livrée, je vais tout mettre. Je vais mettre tout le monde en 3. Hop. Maintenant que. J'ai ce qu'il faut. Espace de stockage pour les palmiers. Ah oui. Il y a plein de trucs que j'ai beaucoup trop. Je vais. Me débarrasser de ces 600. Ces 600 céréales. Hop. Je vais les enlever.
Bien. Ouh, je vais pouvoir. Ah ben non. Je vais pas encore pouvoir faire d'autres expéditions. J'ai la source tachyonique dont je ne sais pas trop quoi faire. Hop, dépecer ça. Ça, je l'ai recherché. Je peux donc la fouiller. Ken, il faut. Ouais, t'es en 1, on peut recycler. Je n'ai aucune recherche en attente. Bim. Brut. Je serais curieux de voir, Ken, ce que tu trouves là-dessus. Juste plein de ferraille, d'accord. Et sur celui-ci. Ouais, c'est pas. C'est guère mieux. Et je vais avoir mon premier robot. Moissonneur. Nickel. Alors, est-ce que je peux le gérer ici? Non. Je ne peux pas. Et là, sa priorité, c'est fouiller. Ah, je peux l'équiper d'outils de récolte. Ça, ce serait intelligent. Outils de récolte. Là. Ressources insuffisantes, qu'est-ce qu'il me faut? Des alliages, eh oui, en effet. Mais la fouille, on avait dit que c'était. Ken qui le faisait. Mais par contre, je peux pas l'en empêcher, j'ai l'impression. Un peu chiant ça. La seule façon de m'en empêcher, c'est de le lui ordonner de rester au poste. Ah, alors si, sinon il y a les histoires de zone. Je pourrais faire ça. Mais les zones, je ne les ai pas. Gestion par camp. Bon, c'est pas grave, il me fouille un peu, il fera. Ceci dit, je manque pas de ferraille. C'est pas non plus dramatique. Et Ken apporte avant tout plus de ferraille. Oh, ils sont efficaces quand même. Carburant insuffisant. Éruption solaire, merde. Enfin, ça va être un peu pénible. S'ils apparaissent, enfin, il faut pas que je me fasse attaquer. Hop. Ok. Bon, c'est pas les plus gênants qui sont désactivés. Il y a le capteur de batterie faible, mais comme j'ai jamais vraiment compris. Oui, je m'étais dit que je voulais refaire le tuto dessus, mais je ne l'ai jamais refait. Deux processeurs, c'est cool. Ça y est, j'ai tout. Enfin. Enfin. Alors maintenant, donc il n'y a plus qu'à attendre qu'il y ait un truc qui passe à portée. Espèce de stockage insuffisant pour l'arbalète. À recycler, à recycler. 70, 73, 54, 41.
Allez, tout ce qui est en dessous de 50. Ça y passe, les casquettes. Si jamais il y a un coup de froid. Hop. Donc je vais en virer deux. L'arc et la lance, franchement, j'en ai pas besoin. Je récupère tellement à côté de ça que. Du coup, il faut que je supprime ça. Et que je supprime. L'arc est déjà supprimé, d'accord. Ah, commerce, vaisseau cargo. Nickel. Donc là, ça c'est un truc qui va me permettre donc d'acheter et de vendre. Alors, je peux vendre. Lui, il a 47,6. Alors déjà, dans les gros trucs, allez, je peux vendre. D'accord, donc ça, dans ce sens-là, c'est acheter. Donc je peux acheter baume curatif. Je m'en fous un peu, porte-bonheur, je m'en fous complètement. Là, je m'en fous pas. Mais ça coûte carrément cher. Oh la vache! Plastron en carbone 2.0. Jambière synthétique, je m'en fous pas du tout. Des processeurs, je peux lui en acheter, mais ça coûte blinde. Je peux acheter du carburant. Donc ça, très clairement, je vais en acheter. Donc voilà, donc je vais acheter ce que je peux. Ah ouais, d'accord, ça m'a déjà tout consommé. Et parce que c'est par 10 et chacun. Ah ouf, ok. Bon, je vais en profiter aussi pour me débarrasser de tous ces céréales que j'ai qui ne servent pas à grand chose. Je vais aller jusqu'à. Déjà, si je vais à 500, je suis content. 500. Elle est à 200 de chaque. Hop. Bon, je vais faire mes courses et puis je vous récupère tout de suite après. Okay. Donc gros marché. Je revends un peu de plein de ressources histoire de diminuer ce que j'ai dont je ne me sers pas forcément. Et puis voilà, et puis ce que j'achète, c'est plein de carburant, histoire de plus avoir à gérer ça. Je m'achète quelques processeurs, une jambière en synthétique. Et puis voilà, et puis je revends plein 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 de trucs, histoire de. Et au final, je perds 7,3K, tout de même. Donc, bon. Voilà, vous savez la synthèse, c'est plutôt pas mal. Ah, j'avais pas vu les technologies, non, rien à commercer. Hop. Gros échange. Ah oui, du coup, il y a le drone qui va charger. Ah, il va avoir un peu de boulot, le drone. J'espère qu'il y aura le temps de tout charger. Oh, patin 5 en soin, très bien. Vieil équipement, ça va. Espèce de stockage insuffisant, bah, ça devrait être bon là maintenant. Normalement, avec ce que je me dégage, ça devrait le faire. Occasion pour Hope. Avancer. J'ai trouvé comment adapter mes routines matérielles et logicielles. J'ai assez de puissance de calcul pour posséder un seul et unique changement. Dans quoi devrais-je investir? Alors, nanotissu de réponse dynamique intégrité plus 200. Donc, c'est les PV. Pas besoin. Régulateur hydraulique. Fuite de liquide diminuée en permanence de 10 points d'intégrité par heure. Ouais, ça permet que si elle saigne, il y a moins de problèmes. Manipule les armes de tir deux fois plus vite. Les armes de corps à corps deux fois plus vite. Ouais, d'accord.
Donc en gros, c'est que des trucs orientés combat. Et comme je ne vais pas la faire combattre pour avoir le succès qui va bien, bah, je vais prendre plutôt plus de PV. Allez. Ça la fait passer. Ah oui, de 200 à 400 quand même. Et voilà, mon vaisseau est parti. Et il va redescendre avec tout ça. Recherche effectuée, gestion par camp. Alors, ça, j'ai jamais utilisé encore. Permet de construire des zones de travail pour débloquer le travail d'habitation distincte. Alors, camp, zone de travail. D'accord, donc là, j'ai une première zone de travail. Ok, ah oui, mais dont la taille n'est pas modulable. Ok. Donc je vais faire une première zone de travail. Ce serait un peu comme ça. Ça se construit, j'imagine. Ah oui, il n'y a pas de matériaux. Comme ça, du coup, je peux. Hop, et voilà ma nacelle. Et maintenant, il faut les re-récupérer tout le bazar qu'il y a dedans. Donc, du coup, j'ai un pantalon en synthétique qui sera très bien pour Emine. Oui, très bien. Qu'est-ce que j'arrive pas à stocker? Vache. Ah, et une nouvelle attaque. J'ai pas assez... J'ai plus assez... Ah oui, d'accord. Ah ouais, j'ai encore plein d'armes ici. Regrouper les objets par type. D'accord. Toc. On démantèle tout ça. Ici, même chose. 67, je vais le garder. Oh, il a mis plein de fumier. Ok. Il faudrait tout simplement que je fasse une deuxième armoire similaire. Ça, hop, démantelé, démantelé, démantelé. J'en ai plein qui sont au-dessus de 70. J'ai vraiment pas besoin d'en avoir des milliards. Là j'ai des t-shirts qui sont ici. Ça aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qui va m'attaquer? Trois engins de siège. Le problème, ça va être surtout qu'ils sont du mauvais côté. Du mauvais côté. Et qui va pas ken. Mot d'estomac. Je pourrais peut-être envisager, mais ça les arrêtera pas vraiment. De faire des murs plus haut. Non, mais comme ça les arrêtera pas en fait. Je m'en doute. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Je sais pas bien comment je peux arriver à gérer ça. Ce qui aurait pu être malin, ça aurait été qu'au lieu d'avoir ma zone de combat ici, je la fasse genre par là. Ce qui ferait que potentiellement le chemin soit suffisamment court. Peut-être que je vais faire après. Et là, je vais devoir gérer ça comme cela. Ça va être un peu pénible. Un peu beaucoup pénible.
notre androïde. Qui bosse bien. Là, on stocke. Ah oui, potentiellement, je peux même renvoyer. Renvoyer une salve, en fait. Mais bon. On attendra un autre. Gestion par camp. Emile n'a rien à faire. Alors. Je pourrais peut-être bien envisager. Alors, je pourrais ramasser du rhizoderme. J'en ai pas un besoin phénoménal, mais. Ramasser également ces petites choses-là. Alors, pas de ce côté, vu là où sont les ennemis. Parce que ça, j'en ai plus beaucoup, il me semble. J'en ai plus que 75. Et du coup, école perdue. Et c'est parti pour l'attaque. Alors. Oups, allez se planquer par là. Ici, Ken, là, Katina, ici. Mais je suis bien persuadé qu'ils vont chercher à passer par là. Je vais leur demander de bien rester. Mais c'est bon. Allez, faites le tour, s'il vous plaît. Ça a l'air bon. Bon, ce serait top, ça. Ce serait vraiment top. Eh oui, ça aurait été trop beau. Et le souci de ce détecteur... Ah oui. C'est surtout que là, on est en éruption solaire. Et du coup, mes tourelles ne fonctionnent pas. Et ça, c'est carrément naze. Wow. Qu'il me prend cher. Démobiliser. Niveau talent, suffisant. Aïe. Balle, waouh, vache, combien? 34 par heure. Alors là, j'ai un vrai souci quand même.
que le fusil à impulsion, ça lui fait rien du tout. Tu vas me soigner en toute urgence. Hop. Et mon HS. Et Katina va pas tarder à l'être également. Fait comment? Je fais. Je vais jamais pouvoir récupérer face à toutes ces blessures. De se terrer à l'intérieur, d'attendre des soins. Oh la vache. C'est quoi le nom délirant? Comment je suis censé faire? Comment je suis censé gérer tout ça? L'accumulation de blessures est vraiment complètement ouf. J'en sais rien. Une pause. C'est à mon avis totalement mort. Je sais pas trop ce qu'elle fait. Ah, l'éruption solaire fait qu'en plus elle est moins efficace. Je vais perdre. De toute façon, je vais perdre tout le monde. Là, dans une heure, il est mort. Elle dans deux et elle dans une. Et surtout, je vois que les saignements sont toujours aussi importants en fait. Donc, bah, c'était juste. Voilà. Il s'énerve et il casse tout. Donc, ce que je vais faire. Voilà. Il y a l'autre qui se fait défoncer. Ah oui, la recherche spécifiquement quoi. Voilà, mort de Ken. Bon, ce que je vais faire, je vais recharger. Je vais faire recharger la sauvegarde auto. Je me suis dit, en fait, bon, dans ce qui a posé problème, c'est que j'ai plein de tirs qui ont raté. Outre le fait que bah, j'ai pas les tourelles. Il faudrait que je vois. C'est avec des processeurs intégrés. Ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, j'aurais pu avoir l'éclairage pour peu que il n'ait pas fait partie du circuit de contrôle. Si j'avais eu de la lumière ici, ce serait peut-être mieux passé, en fait. Mais bon. C'est un peu con. Ah d'accord, donc c'était juste avant la recharge par camp. Bon bah on va faire un petit flashback. Hein. J'aime pas trop faire ça, mais bon. C'est ça où je perds la partie, ce qui est quand même un petit peu dommage. Ah oui, j'avais pas encore géré ça. Ok. Donc, tac, tac, tac. Ici. Emine, du coup.
coup, je t'avais pas mis des jambières en synthétique. Qu'est-ce que je pourrais rechercher ensuite? Techniquement, des lunettes de vision nocturne, ce serait pas forcément débile. Parce que quand même, ça fait plusieurs fois. Ça, il faut quoi? Ah, le minerai. C'est vrai que j'ai toujours pas chopé le minerai. Alors j'en ai vu. J'en ai vu ici. Du minerai. Alors, nouvelle attaque, du coup. Est-ce que c'est la même? Pas tout à fait, mais ils arrivent au même endroit par contre. Bien. On va quand même essayer de sauvegarder. Essayer de faire en sorte de ne pas la perdre cette fois-ci. Attends, non. Là, on va pas faire ça. Maintenant, tout de suite. Autant pour moi. Hop. Autant pour moi. Gisement de minerai. On va pas faire ça alors qu'on se fait attaquer. Très clairement. Bon, et donc, du coup, il faut que je le sorte du circuit de contrôle. Hop. Histoire de ne pas avoir de problème de vision. Hop. Manipuler. Voilà. Lunettes de vision nocturne. Désolé, l'enregistrement de cet épisode a été un peu compliqué. Donc, ils ont débarqué. Alors, donc, je peux maintenant faire des lunettes de vision nocturne. Donc, je vais en faire trois. De zone, je suis pas sûr d'être fan. D'accord, je peux agrandir la zone. Ouais, d'accord. Oh, tiens, j'ai bien une vraie là aussi. Hop. Pas sûr que je sois fan du système. Je vais peut-être bien la supprimer assez rapidement. Faut que je vois. Je sais pas. Bon, il faudra que je réfléchisse entre deux épisodes, voir si je peux l'utiliser efficacement. Aucune recherche en attente. Alors. J'en ai pas mal. Je pourrais peut-être me faire des vrais fusils.
Ça, c'est super que j'en ai. Je peux me faire des stimulants. La graisse d'insecte, bof. Je pourrais faire de la saumure, mais j'en ai pas vraiment besoin. De la bière. Distillation. Fonderie électrique, peut-être pour avoir des alliages plus rapidement. Médicalisé par jour, éloigne le médecin pour toujours. Ouais, ça pourrait être une idée aussi. Carbone, il en faut combien? J'en ai 213. Pour un set complet, il faut 110. Alors je pourrais me faire un bot défensif histoire d'avoir quelqu'un d'un peu solide. Il y a les drones de combat qu'on peut faire aussi. Je pourrais rechercher pistolet laser pour ça. Ça coûte moins cher le drone de combat. C'est sûrement moins efficace. Hop, qu'est-ce que je peux rechercher d'autre? Là, rien de bien folichon. Ça, pas folichon non plus. De toute façon, j'ai très peu de chair d'insectes, vu que je ne vais pas en chasser éolienne en carbone. Qui générerait nettement plus d'électricité. Tourelle mobile. Cinq jours de recherche. Bon, alors, on va rechercher les bottes défensives. Ensuite, on va rechercher les pistolets laser. Ensuite les drones et ensuite les fusils électrosniper. Allez, soyons fous. Voilà, là ils attaquent. Ah oui, canne du coup. Je l'ai associé à ceci. Il n'aura pas le temps de m'en faire avant la fin de l'attaque. Toi, en fait, tu vas changer d'arme. Tu vas rééquiper une arbalète. Parce que le fusil à impulsion n'est absolument pas efficace. Contre ces bestiaux, toi, voilà. Et toi, tac, tu vas là. Bien, et puis espérons que ça va mieux se passer que la fois précédente. Ouais, hop, qu'est-ce que tu me fous? Qu'est-ce que tu peux pas attaquer tout de suite? À l'intérieur, on va te planquer. Ouais, j'en ai qui la suivent forcément. Et qui vont vouloir aller la chercher. Du coup, là, il m'a pas. Alors.
en dehors de la zone de couverture de l'espace. Ah oui, j'ai deux trucs laser là. Autant qu'il s'énerve quand même l'escalier. Okay. Donc là, lui se fait tirer dessus. Là, c'est la première détruite. Et la deuxième, le problème c'est qu'elle va rester pendant un endroit. Qui ne sert pas à grand chose là. Il me reste encore. Allez, c'est bon. Bon. Je vais pouvoir les remettre sur le circuit de contrôle. Maintenant, Katina, tu vas soigner en vitesse. Hop. J'ai des brûlures. Le seul avantage, c'est que j'ai pas de saline. Toi, tu vas pas attendre le soin. Je sais pas pourquoi il s'est énervé contre mon escalier. Soirée musicale. Ouais. On ferait la fête, mais ce soir. Bon, ça a été un peu compliqué. J'ai fait un truc que j'aime pas trop faire, mais des fois, on n'a pas tant de choix. Je vais m'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura quand même plu.
Comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous. Ciao, ciao.